communal. Antioche l'église, ça fait quoi? Ça fait rien. Je vais faire des tours à canon. Gêne la communauté agricole. Eh ben... Écoute, je vais te dire de faire ça. Et puis, moi, à Innsbruck, en attendant... D'accord, Innsbruck, c'est comme ça. Bah écoute, ça va aller, 2 minutes. Hein. On va un petit peu étudier la situation à Innsbruck. Et moi, je dis que Innsbruck, elle va se vider et qu'on va aller attaquer Vienne. Parce que là, j'en ai plein le cul. Nous organisons le camp ici, seigneur. Le Portugal avait relâché ses prisonniers, d'accord. C'est ce qui est pas mal. Comment puis-je Ceci servir, dit, mon roi? je pense, je sais pas si j'aurais payé pour les récupérer, les prisonniers. Alors, Jérusalem qui va tenter de s'en sortir du coup avec un assaut. C'est le capitaine Al-Sali qui vient nous affronter. Avec un peu de tout, hein, milice de Vougier, milice civile, milice sarrasine. Et les Mamelouks. Et en face, on a le capitaine Atébaché. D'accord. Eh bien, on va les affronter. Avec Blanchet de Brienne. Qui dirigeait la ville et qui se l'est faite... Ah non, il dirigeait pas la ville, il allait la diriger, mais il s'en est fait... Mais il est arrivé et les troupes s'étaient fait virer. Du coup, il avait appelé les troupes d'Acre, si je ne m'abuse. Il a dit, ça suffit les conneries, amenez-moi mes troupes. Est-ce qu'il y a une ferme là-bas? La technique de la ferme. Ah, par contre, ça m'intéresse, ça, tiens. Est-ce que ce serait pas... Non, ici, ce sera très bien. Ici, ça me paraît très bien. Mais non, il n'y a que dalle, caillasse. Ah, justement, c'est ce que je cherche. Pour ceux qui n'ont pas compris l'allusion, je faisais allusion à Reflet d'Acide. Excellente série. Et sinon, en parlant d'excellentes choses... Ah, 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 ah. Petite Ellie. Par contre, là, je viens de faire une grosse erreur. Par le nombre, leur manque de courage. Donc, on va... j'ai fait une grosse erreur à cause de l'ellipse. J'ai pas fini de placer mes troupes et j'ai fait commencer la bataille. C'est génial. Donc, on va fatiguer nos troupes hein, et on va leur dire de se dépêcher de venir ici. Eux, ils vont désactiver leur capacité spéciale et venir se poster là. Les Vougiers vont venir là. Et les autres Vougiers vont se poster ici. Alors que notre cavalerie va venir se placer là. Et donc tout ce petit monde-là, s'il pouvait courir, ça m'arrangerait grandement. Allez, dépêchez-vous. Je sais que je vous en demande beaucoup, mais dépêchez-vous. Alors eux, ils sont super longs, je sais pas ce qu'ils ont foutu pour se mettre dans cette position-là, mais c'est ridicule. C'est du grand n'importe quoi, regardez-moi ça! J'ai pas le choix là, il faut qu'ils combattent. Et j'ai...
Mettez-vous là, bon sang. Faites ce que je vous ai dit de faire, vous m'énervez. Vous n'aviez qu'à être plus intelligent que ça. Et ces arbalétriers-là, s'ils pouvaient commencer à tirer, ça me ferait plaisir. Voilà, ça y est, on va pouvoir enfin commencer à être efficace. Voilà, ça c'est nickel. Hop, et donc là, je fais charger comme ça. Parce que j'ai malheureusement assez peur qu'ils soient pas bien positionnés. Et j'avais raison, ils le sont pas. Hop, voilà. Allez. Bien. Suivant. Encore. Celui-là, là. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont les couleurs des Turcs, les Mamelouks. Qui sont là. Allez, voilà. Celui-ci, il est un petit peu impudent, je trouve. Et nous, nos chevaliers, voilà, ils sont en train de se battre ici. Tranquillo. Nous, on va se repositionner un petit peu mieux et se mettre en fait juste dans la montée là. Dans le combat et ses troupes. Les pleutres d'en face s'enfuient. Fondons sur eux. Hop. Voilà, donc nous, on va revenir ici. J'aime bien dire à mes hommes de se tenir tranquille, d'attendre que l'ennemi arrive. Non, 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 non. De tenir la position, non plus. Quel entêtement! Heureusement que je surveille à peu près ce qui se passe. Sinon, elles ont l'air pas mal, ces petites troupes de fauchards, hein, quand même. Mis à part qu'elle bug ici gentiment et que ça va m'énerver un petit peu. Par contre, ça fait un peu con. Eh les gars, on chasse les oiseaux? Ouais. Vas-y, je fais semblant que j'ai un fusil. Enfin.
feu à volonté. Allez, zou! Tuez-moi ces rascals. Bon, bah, ça sent encore la bataille super épique de la mort qui tue. Ou... Ah, bon, bah, quand même. Donc, ça avance. J'ai eu peur pendant un moment, je me suis dit, tiens, ils vont pas venir. Hop, eux, ils doivent le sentir relativement mal. C'est une armée qui ne bouge pas, en définitive. C'est les armées énervantes qui... Ah bah voilà! Ça y est, on va obtenir enfin un affrontement à la loyale. Enfin, à la loyale. C'est-à-dire que, vu de mon rocher, ça me paraît loyal. Mais, pour vous, moins. En même temps, c'est la troisième fois que c'est... Enfin, c'est la deuxième fois que cette ville se rebelle sous mon égide, hein. Alors, je veux pas être méchant, mais... faudrait peut-être retenir la leçon, un de ces quatre, quoi. Hop. Non, mais parce que voilà quoi, on se dit la liberté, la rébellion, tout ça, c'est des causes nobles. Ouais, enfin, d'un certain point de vue, ça pourrait. Et puis au final. Bon, bah, comme quoi, ça a bien réussi. Ah, ils peuvent former le Shieldtron quand... Non, non, je sais pas. Je me suis dit, putain, eux, en mode Shieldtron, mais tu peux y aller, quoi. Alors. Ça prend du temps. Ouais, ça se tue gentiment, quoi. Ah, vous êtes toujours enthousiaste. D'accord, ok. Bon, bah, pourquoi pas. On est enthousiaste de se faire crever au bas de cette montagne. Ouais. Fera toujours rigoler. Enfin. Hop, 20 minutes later. Bon, eux, ils sont pas assez près du bord, je trouve. Ils ont pas une assez bonne vue. Non, mais puis après, c'est toujours pareil, quoi. Bon, allez. Si ça pouvait mourir rapidement, ce serait cool quand même. Non, parce que vous n'avez pas d'armure, hein, bien sûr. On précise. Et puis, Enfin, si vous aviez un petit peu d'armure, je pense qu'il y en a un qui avait un casque ou quoi. Bon, il s'était payé le luxe, quoi. C'est passionnant, n'est-ce pas, de voir tous ces gens mourir et qui n'osent pas attaquer.
Bah écoutez, vu qu'apparemment ça c'est fait. Hop. On va voir comment ils réagissent. Alors que nous, on va descendre tranquillement. C'est quand même impressionnant comme saleté d'armes, ce machin. Ah bon. Alors, on en est où? D'accord. Bon bah, baisser les armes, hein. Hop. Hop, et voilà. Bah franchement, ça les fait pas bouger d'un pouce, hein. Vous, ça vous ferait pas un peu... Non, d'accord. Et eux, ils sont où là? D'accord, à cause du rocher. Bon bah nous on va se... Hein? Et... Ya! Pas pratique du tout, hein. Oh! Aïe! Ah, mais c'est des paysans, quoi! Les pleutres d'en face s'enfuient. Fin de la Toute la bataille, chrétienté sera hop! impressionnée par cette victoire. Je ne vais pas faire de mort inutile. Par contre, je suis. Enfin, je sais pas, je serais d'avis d'exterminer la La communauté. victoire est nôtre en ce jour. Une nouvelle et glorieuse conquête pour la France. Fera obtenu dans le pied. Bon, bah, mettre la communauté à sac, ça devrait suffire. Jacob de Nogaret, là je prends. Oui, mon roi, Bienvenue à vos Jacob. ordres. Nous ne pouvons aller là-bas, mon roi. Et eux en fait Très ils vont bien. habilement. Rien du tout, habilement. Oui, mon roi. D'accord, cette armée-là s'est rebellée au final. Seigneur, à vos ordres. Comment puis-je vous servir, mon roi? À la bataille, pour l'honneur du roi! Aïe, Jacob de. Non, ça c'est Foulque le Mingre. Le fils de Francis. Oui, mon roi. Je vous vaincrai honorablement, valeureux ennemi. Ouais, bah c'est quand tu veux, hein, qu'on se frite.
Léon, rotation des cultures. Pamplune, le marché. On va faire évoluer la ville, sinon tu vas me péter un plomb. Innsbruck. Hop, des arbalétriers. Dongola, elle raconte quoi? Eh ben, qu'elle va se faire une route. Cité en expansion, Stoffen. Elle va aller évoluer. Ben, c'est marrant, mais je commence à retrouver une certaine aisance au niveau du Prête commerce. à Je sais pas servir. pourquoi. Enfin, au niveau de mes Bien dépenses. Je sûr, ne sais pas seigneur. pourquoi exactement. Ça me Oui, rend nous perplexe. n'irons pas plus loin aujourd'hui, mon Ah, roi. cette attaque entraînerait mon excommunion. D'accord. Il me faut 4 tours. D'accord. Ben, je vais attendre les 4 tours. Pas de soucis. Ouais. Et si je faisais le tour des communautés qui peuvent construire et que justement j'ai arrêté de faire construire. Alors déjà, ça a évolué en citadelle. Wow. Ça m'a fait baisser un petit peu justement mes fonds. Bordeaux, Rennes, ça devrait pas tarder. Angers, c'est parti pour. Oui, bah pourquoi pas. Reims, Dijon, Berne, Metz, je vais y arriver. Francfort, Hambourg. Tiens, une tour à baliste à Hambourg. C'est déjà ça. Oslo fait des champs de foire. Stockholm, un grand marché. Nuremberg, c'est parti aussi pour faire. Innsbruck, on s'en fout. Milan. Milan. Milan, des tours à canon parce que je le sens mal. Florence, des routes. Et puis ce sera tout. Jérusalem, je l'ai reprise. Je pourrais réparer, c'est vrai. Hop. Bing. Bon bah ça fait plaisir de retrouver Jérusalem, même si c'est devenu une ville. Enfin voilà, j'avais bâti, c'était devenu une ville européenne. Ah merde. C'est un peu quand ça? Parce que je pense pas que je vais pouvoir y survivre. Ah ouais, non mais. Pouf pouf pouf. Je la joue pas et je sais très bien que je la perds. Une défaite. Non, je décline. Voilà. Rebelle, prends Vous êtes position. des mercenaires. Très bien, mon roi. Je suis Nous levons le désolé. siège. Alors, c'est le roi Prends-le. Rui, justement, qui m'attaque. C'est-à-dire que si je tue lui, et lui, ce qui me permettra de. Putain. Tenir la position assez confortablement. Alors, donc vous tirez sur le garde du corps du général. Vous me l'affaiblissez bien. Vous faites en sorte qu'il crève relativement rapidement. Voilà, ça. L'ennemi dresse ses échelles. Repoussons l'assaillant par le fer. Voilà, stop. Ah oui, j'avais oublié de signaler à ces gueux. Ah, la tour d'assaut a est tombée. Donc je vais faire foncer mes chevaliers là-bas. Attention, l'ennemi attaque nos portes avec un bélier. C'est super que ça ait fait ça. Ça tombe très bien. Montjoie Saint-Denis, la tour de siège ennemie est Hop, détruite. tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Alton. Bon. La milice des péistes ennemis semble à même malheureusement de prendre nos murs. Putain, ils sont blindés au niveau armure, eux, hein. Ils ont une sacrée cuirasse. Sacrebleu, le bélier de l'ennemi a enfoncé nos portes. Ouais, pareil. Est-ce que c'est si grave que ça? Je n'en sais rien. Je ne le pense pas non plus. Bon,
lui a fait rien Capuic nada en dégâts. Les murailles sont tombées. Vaincre ou mourir. Alors le général, allez viens là mon grand. Tu tombes bien. Alors est-ce que leur général est devant? Oui. 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 Le roi ennemi génial. Sous les coups de nos ça c'est alors ça. Profitons du deuil ennemi. C'est juste nickel. C'est juste excellent. Ils sont sous le choc, ils sont défaillants. Allez, zou! Allez, c'est parti, les gars. Allez. Alors nous, on est là. Voilà, c'est parti. Allez. Ils sont défaillants, mais ils veulent pas se laisser tomber. Allez, putain, non. Mes deux généraux sont mal barrés, donc je vais les faire se retirer du combat avant d'avoir une mauvaise surprise. Voilà, et du coup, là, ça recraque de nouveau. Voilà, parfait. Fallait juste que je me retire et que ça tente de me poursuivre, et là, bam, voilà. C'est nickel. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, génial, général ennemi. C'est vrai, il y avait deux généraux, donc ça, c'est génial. J'ai rempli mes objectifs. L'ennemi est en fuite. Écrasons ces gueux jusqu'au dernier. Mes objectifs sont totalement remplis. C'est-à-dire que j'ai tué les deux adversaires. Exact. J'ai tué... Bah, techniquement... je pense qu'ils ont plus de seigneurs et que Lisbonne devient rebelle. Je pense. Donc là, je sauvegarde et on va leur résister. Je pense que ce serait pas une bête idée. Alors, est-ce que j'ai les tours à baliste et je leur résiste sur les murs ou est-ce que je me replie dans les rues? C'est une bonne question. Tiens, c'était censé aller où ça? Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Nulle part. Hop, on va commencer le déploiement. T'es gentil, tu pars pas. Alors, j'ai pas d'arbalète au tour, donc c'est que j'ai pas de baliste. Voyons voir. Ils ont une tour d'assaut, des échelles. Bon. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je résiste ici, à l'intérieur? Et j'oublie mes arbalétriers. Où est-ce que je mets mes arbalétriers? Bah, je vais mettre mes arbalétriers. Qui vont principalement en fait se masser ici.
Ouais. Exactement. Ils vont se masser là. Et je vais les faire tirer à mort sur Gugus là. Sur le roi. Comme ça, si je réussis à le buter, eh ben, ce sera déjà ça. Alors ici, je vais faire ça. Je vais les mettre eux. De l'autre côté, pour la tour d'assaut, je vais mettre cela. Plus cela. En bas, comment je vais gérer ça? Alors, il me faut mes deux seigneurs qui soient prêts à charger. Hop. Ce serait con que son fils crève quand même. Ça la foutrait mal. Enfin, moi, ça me mettrait mal. Et eux, ici, ils frapperont par le flanc. Oh! C'est un peu chiant, le placement des unités. Tout de même. Dans Medieval 2. Bon, hop, merci. Commencer la bataille. D'accord, donc eux, ils sont absolument pas plaçables. On va réparer ça. Putain, c'est quoi ce délire? Bien, bah pourquoi pas? Ouais, voilà. Eux, ils vont se placer comme ça. Et eux, ils vont se placer comme ça. Il fallait que je tue. J'ai tué mes deux principaux ennemis. Alors ça, c'est principalement des djinn et tests, tu me diras. Impossible de les rattraper, mais... Ceux-là, ils vont rattraper la milice des pays qui est là, parce que moi, j'en ai un peu ras-le-bol de ces gars-là. Allez. Rattrapez-les, tuez-les, faites quelque chose. Bon, je vous retrouve à la fin de ce combat. Salut. Donc voilà, on a perdu 300 hommes, eux 700. Ça fait plaisir. Parce que du coup, mon armée de secours est arrivée. Ils ont payé la rançon. Nous sommes victorieux. Gloire à la France. Ah. J'ai prolongé un peu la guerre en fait, là, du coup. Mais bon, regardez, c'est une victoire qui a ramené largement... Non, pas une guilde des explorateurs, non. Et on va faire une cathédrale. J'ai pas fait de tour à... Ah d'accord, ça a rétrogradé la ville que je la mette à sac. D'accord, bon bah pourquoi pas. Ah non, j'ai pas eu le temps de développer les murs peut-être. Ce qui serait relativement embêtant. Bon ben Reims, elle va développer allez, un quartier marchand, même si ça coûte une blinde. Rennes, elle va développer ses champs. Berne, des routes. Ajaccio, ça. Stoffen, on a dit qu'elle évoluait. Dongola. Et Jérusalem, c'est bon. Donc pour le moment, ça se passe relativement bien. Avec le Caire qui est assiégé. Et nous ici, on va tout Oui, mon roi. simplement, voilà, fusionner les armées. Oui, fusionnons.
fusion des forces en cours. Un honneur. Toi, tu sors. Apparemment, ça fait chier le monde, donc tu vas là. Et c'est ton fiston qui va prendre la succession. Je ne suis seigneur. Avec honneur, nous n'irons pas plus loin aujourd'hui, mon roi. Seigneur. Très bien. Hop. Excellent. Donc, nous, on va progresser par là-bas. Pour l'honneur de la France. Au prochain tour. Ça raconte quoi cette mission à la con qu'on puisse pas... Ah, dans 3 tours. Bon, bah cool. Prêt à servir. Bah écoute, moi je vais me poser là. Oui. Comme ça, quoi qu'il arrive, elle, elle tombe dans 2 tours. Pas plus mal. Ouais. Ils sont où les deux glands là? Un honneur. Ils sont là, normal. Bien sûr, seigneur. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui, mon roi. Pourquoi nous pas, hein? Nous le camp ici, seigneur. Hop. Ah. Ah bah non, bah oui, je mettrai pas fin à l'Egypte vu que l'Egypte a encore Damas. Autant pour moi. J'ai dit une connerie. Alors est-ce que le Saint-Empire romain va attaquer la Sicile du coup? Mais la Sicile, j'ai l'impression qu'elle est plus. Elle est plus de ce monde. Oh là. Oh là là! J'aime pas beaucoup ça, moi. Il va falloir le tuer rapidement, ce pape. Il y a une flopée d'inquisiteurs qui est arrivée dans mes terres. Oh putain. Ils sont en train de tuer... Jean de Richemont et Conrard de Blois. Putain! Ils sont en train de tuer mes... Ils sont en train de tuer mes chefs. C'est de la folie furieuse ici. Le territoire, il est à 100% catholique. Je suis en train de faire construire une grande cathédrale. Vous vous foutez de ma gueule, là? Guyot au cœur est promu. Alors, mais si je suis promu... Tu... C'est quoi, c'était... Ouais, c'est parce que je respecte pas bien la politique, à mon avis, de... Du Saint-Père. Bon. Faut qu'on lèche le cul au pape. Donc, des cathédrales de partout. Et les agents vénitiens, le pape, il va rien dire. Oui, ça. Mon roi. Oui, seigneur. Nous nous apprêtons au combat. En position ça de raconte siège, quoi, comme roi. Ça ouais. Ils ne tiendront pas longtemps, mon roi. Ouais. À vos ordres. J'aurais pas dû le relâcher, ce con-là. Oula. Je souhaite un combat honorable, nomme l'ennemi. Prêt à servir. Vite. Je suis pas super fort en siège, mais j'en ai strictement rien à foutre. Il me faut quelque chose. Il faut que je prenne cette ville. J'avais pas prévu qu'il y ait autant d'armées ennemies dans les parages. Ouh là là. J'avais pas vraiment prévu tout ça, moi. Bon, on va faire améliorer la citadelle ici. Et Acre, j'aimerais bien la faire évoluer également. Mais aïe! Qu'est-ce que c'est que ces trucs? D'où ça sort? Très sérieusement, d'où est-ce que ça sort? Non, par contre, le pape est super gentil, mais il me brise un peu les coucougnettes. Il me brise les castagnettes, c'est clair. C'est net, c'est précis. J'avais pas vraiment prévu...